gens, ici Rafi1650, on se retrouve sur le troisième épisode sur Fernbus. Donc c'est parti, nouveau trajet aujourd'hui, je vais vous montrer où on va aller sur la map. Donc on part de Düsseldorf, on va passer par Duisbourg pour prendre quelques passagers, et après on va s'arrêter à Essen. Donc on va faire trois arrêts on va dire, et ça nous fait à peu près, je sais plus, 50 km à peu près en tout, trajet compris. Donc on va aller voir, on va prendre tout de suite nos tickets, on va aller voir nos passagers. Les tickets tout de suite. Alors du coup lui il va où? Donc allez-vous ma direction? Est-ce qu'on y va ou pas? Je vais dire ça tout de suite. Dis-moi oui, on peut te prendre. Ok. Elle. Dis-moi on peut te prendre. Allez-vous dans ma direction? Oui. Toi. Düsseldorf Essen, c'est bon, on peut te prendre. Toi tu vas où? Dis-moi c'est bon, on peut te prendre. Toi. Petite naine. Dis-moi on peut te prendre. Toi. Hambourg, non désolé. C'est pas notre route. Toi tu fais quoi? Essen, c'est bon. Il y a son frère juste à côté. Servus. Duisbourg, ok. C'est bon. Toi. Essen, c'est bon pour prendre. Il doit rester 2-3 passagers à prendre. Hello, mein ticket. Wolfsburg, non, je vais pas, désolé. Moi, j'ai pris tout le monde du coup. On peut y aller. Donc, on a les soutes, on peut les fermer normalement. Je sais plus comment on fait pour la fermer. On peut le fermer en manuel. Moi, je suis mis en automatique, c'est-à-dire que tout fait automatiquement. Le bus met les phares tout seul. Les portes se ferment, etc., etc. Tout se fait en automatique. On va y aller. C'est dès le passage, il n'y a personne en face, on peut y aller. Peut-être faire attention de ne pas frôler quelqu'un. C'est vrai que les virages sont assez serrés dans cette ville. Voilà. Hop, petite Dan. On l'a pas trop senti celui-là. Donc le jeu je trouve assez sympa. Après, je trouve que sur mon PC c'est pas très fluide. C'est mon processeur qui est pas assez puissant. Mais je sais même pas si je pourrais changer mon processeur. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable de changer le processeur. Bon, voilà quoi. Ça fait chier de le changer. Je pense dans ma génération de processeur que j'ai, je pense que je peux trouver même un i5 voire un i7 de la même génération que le mien et le changer quoi. Mais après, tant qu'il fait le taf, moi je m'en fous. C'est juste que j'ai une bonne carte graphique, bon, une bonne carte graphique 1050 Ti, c'est bien. C'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal quoi, carte graphique. Et j'ai 16 Go de RAM sur mon PC. Voilà, nickel. J'ai bien pris mon virage. Alors, de toute façon, faut que je fasse gaffe parce que tout à l'heure, je suis trompé de route. À cause que j'ai fait, j'étais à fond dans le jeu, je suis trompé de route. C'est pour ça que j'ai dû refaire ma vidéo du coup. Donc, oui, j'ai pas fait l'appel en fait. Pas l'appel, mais je fasse tout de suite le truc. La voilà. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Fanfare. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich... Configurer le frein à main, mais j'ai pas trouvé comment le configurer. Option, graphics non contrôle. Si je vais dans man, ok. Alors j'ai pas trouvé frein à main, alors... Il y a frein de parking, mais je pense pas que c'est pareil. Air conditionné, on s'en fout. Feu, diffuseur de l'annonce. Lampe. Alors j'ai trouvé frein de parking, mais je pense pas que c'est ça le frein à main. Repositionner véhicule, frein à main, bah non, barre espace. Tourner, direction, frein. Valve de frein. Frein d'urgence. Ah, c'était ça le frein d'urgence, non? Bah non. Frein d'urgence. S, c'est quoi S? Je sais pas c'est quoi le frein d'urgence S. Einstiegsbereich. Ah oui. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Nachrichten. Sollte euer
Problem zur Neige gehen. Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Voilà, pas mettre de l'essence, ça sert à rien. En fait, vous devez mettre de l'essence quand vous faites des grands trajets. Holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Parce que, admettons, je sais pas, j'ai un exemple. Admettons, par exemple, si vous prenez, par exemple, si je fais M. Par exemple, là, si vous prenez un trajet, je sais pas, vous faites le trajet super long. Faites, je sais pas, au hasard. Hein. Faites aller Toulouse. Et vous allez jusqu'à Andlamapla. Bah là, il va falloir mettre de l'essence, quoi. Parce que là, vu le trajet que ça fait, je sais pas combien de temps ça fait d'heures si vous partez de d'ici jusqu'à Toulouse, ou même le contraire. Je pense que là, il y a au moins 2 jours de route, quoi, pour y aller. Donc ça serait super long. Eurer Fahrt, nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board. Là, il fait en anglais tout à l'heure, il a fait en allemand, je crois. Là, c'est en anglais, là, je crois. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. J'ai commencé en décembre 2020. J'ai gagné 58€ dessus sur le site. So you can take advantage of our many exclusive online discounts. C'est pas dégueulasse, c'est pas négligeable. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Je vous invite à le télécharger, c'est un petit jeu, vous avez tous les jours des coffres à ouvrir, vous ouvrez des coffres, et avec les coffres vous pouvez prendre le ticket à gratter, et puis après bah, vous pouvez gagner des sommes d'argent, après vous ne gagnez pas des grosses masses, moi le plus que j'ai gagné c'est un ticket 2€, le plus que j'ai gagné en un ticket, sinon vous gagnez des 5, 10 centimes. Thank you for listening, we hope you have a relaxing journey, and enjoy traveling with Flixbus. Regardez, je me suis pas trompé de route, parce que tout à l'heure je me suis trompé de route alors. C'est la bonne route par là, hein. GPS il m'a pas dit de conneries, non, c'est bon. Ah, c'est juste que tout à l'heure quand j'ai roulé, je voulais tourner, j'étais tout droit. En fait, au lieu de tourner à gauche, j'étais tout droit. C'est pour ça que j'étais pas bon là. Faut que je fasse attention à la route. Donc là, je vais prendre un ticket à 100 points. Donc ça vaut 100 points. Et le ticket à 100 points, c'est minimum, minimum 10 centimes que vous gagnez. Je vois combien je vais gagner. Je vais mettre mes phares quand même, mes feux de route. Je vais attendre d'être un feu rouge pour faire mon ticket. Ah, j'ai perdu, j'ai gagné 0. Wow, ça a touché ou pas? Non, je pense pas. Ah, j'ai gagné 0 du coup. Je suis médiqué en même temps, le mec il s'abuse. Donc ça va faire. Ah, faut que je tourne ici là. Il y a une voiture à côté. Oh, il y a une voiture à côté, je vois rien en plus. Je vois même pas si c'est une voiture qui arrive en plus. C'est la voiture de tout à l'heure ça. Je joue aussi au site. Donc ça c'est un site internet, avant c'était un site internet, maintenant c'est une application. C'est l'application Gomojo. C'est pareil, c'est un truc pareil, vous ouvrez des coffres et vous gagnez des pièces et après avec les tickets vous pouvez acheter des tickets à gratter. Et là je suis à 15€ je crois. Et le truc chiant avec Gomojo c'est qu'il faut attendre d'avoir 20€ pour demander les sous. Vous pouvez pas demander tout de suite. Il faut avoir à attendre le plafond de 20€ pour pouvoir demander les sous. Donc ça c'est pareil, c'est assez long pour avoir les sous. Pas pour avoir les sous non mais. Pour récolter la somme, c'est vous allez peut-être gagner 10 centimes, mais des fois vous allez regagner quoi, c'est ça qui est chiant. Après, il y a aussi les tirages au sort, style un peu comme le loto, vous validez des grilles,
pouvez gagner des pièces et moi j'ai gagné des sous en faisant ça aussi également. Je vais mettre un peu plus haut au niveau de la vue parce qu'on voit rien. Mais c'est 100, 100 en ville. Ah non, c'est 50. Bah, c'est bizarre, je fais 50 en ville. 100 en ville, ça me paraît beaucoup, 100 en ville. J'ai mis le petit régulateur à 50. Voilà. On a 9 km du premier arrêt. Allez, avance toi. Radar juste là, je crois, à gauche. À droite, il y a un radar. Ah, je tourne à gauche. On voit rien, le panneau. On voit même pas ce rond. Ouais, franchement, niveau graphique, c'est pas dégueu, je trouve, comme jeu. Après, je rame un petit peu, hein, comme je vous ai dit. Puis, bah après, voilà, ça marche quand même. Mais depuis que j'ai mis 16 gigas, je trouve que le jeu rame moins. Après, le jeu ramait pas mal dans des grandes villes. Là, c'est des petites villes depuis un certain temps que je roule. Hein, si vous allez à Paris, ça va plus ramer. Mais ça va, quand je suis en petite ville, ça va encore. Ça rame pas des masses. Oui, c'est quand même bien détaillé. Hein. C'était chaud light. Oh le petit. Non, on les sent les. On va se faire dans le volant, je les sens là dans le volant. Je sens les vibrations dans mon volant, ça c'est cool. Ça, oui, pour info, je joue à mon volant. Je vais monter 150. Ah bah, moi j'ai acheté un volant, c'est pas pour jouer. Après, je joue pas beaucoup sur console. Sur PS5, maintenant il me reste plus sur mon PC, on va dire, parce que c'est depuis que j'ai ma carte graphique et j'ai mes RAM, bah, c'est l'endroit où je joue le plus. C'est avec mon PC que ma console, et ma console je joue presque pas. La PS5. Non, j'ai pas idée si je peux tourner. Ah non, c'est bon. Il bouge. Ça j'anticipe l'accélération. C'est le temps que le camion le bus il se met en route. On a le temps d'attendre, je veux dire. On est vert, on va essayer d'y aller quand même. Oh bah il passe orange, tant pis. Ça va peut-être pas compter du coup. Ah bah on va avoir le vert, nickel. Ah non, il va être rouge du coup. Freine. On va essayer de voir après hein, la fin de la vidéo là. Combien de temps ça met. Ah bah non, je peux pas savoir. Attends, je peux pas. J'ai pas encore découvert la map, la ville, donc je pourrais pas vous montrer Toulouse jusqu'à la. Haut de la map, combien ça prendra de temps. Ça va quand même donner du temps. Hein. Et au moins facilement aller. En vrai, ça va être trop long en vrai. Hein. Cette fois, j'ai fait un trajet. J'ai fait un vrai trajet dans le jeu. J'ai fait Paris-Marseille. J'ai dû mettre à peu près 1h30 pour faire le trajet en vrai. Hein. Bon, 1h30. C'est pour ça que dans le jeu je peux pas vous faire des grands trajets parce que sinon ça va être trop long. Après quand j'aurai la fibre, je pourrais le faire parce que j'aurai la fibre, du coup je pourrais faire des lives. Et là je pense qu'on fera des grands trajets en bus. Quand j'aurai la fibre, ça va être pas mal. Il va donner une nouvelle personne à prendre du coup. Dispoque déverrouillé. Je suis pas très bien garé en plus. On va descendre alors. Okay. Bonjour monsieur madame. Alors. Tu vas où toi? Eusen, confirmation de réservation. Bah enregistrement express, oui. Ok, on y va. Toi. Eusen, ok. Oh, il y a du bon.
Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Enregistré, oui. Oui, vas-y. Sehr freundlich. Hallo. Toi, tu vas. Essen, c'est bon. Bah, validé. Toi, tu vas où? Essen, c'est bon, validé. Auf geht's. Toi, tu vas où? Essen, c'est bon, validé. Danke schön. Hallo. Toi, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Validé. Toi, il y a du monde. Bin ich hier richtig? Danke sehr. Grüezi, mein Ticket. Pensons qu'il y a plus de monde la nuit que la journée. Ok, toi. Salut. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Je désire acheter un ticket. Ok. Alors tu veux un ticket pour... Ah merde. J'achète un ticket pour aller à Essen. Essen, voilà. Tac. Vérification. Ok. Ensuite, toi. Servus. Essen, c'est validé. Toi. Hé, hey, toi. Toi. Ouais, il veut pas. Grüezi. Ist das gut? Essen, ok. Danke sehr. Toi. Il veut pas. Hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ciao. Toi. Salut, das Ticket. Salut. Bitte sehr freundlich. Salut, c'est bon, tout est prêt. C'est bon. On peut y aller. Oh, le bus il est de travers. Tu gardes comme une merde, le mec. On y va. Oh, on va pas perdre tout le temps, ça sert à rien. On a encore. On est à terre. On a encore 24 km à faire. On va y aller. Passage ici, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, on a quoi. Non, franchement, dès que j'ai la fibre, je fais des lives. J'essaie de vous faire de temps en temps un live le soir sur Bus Simulator. Bah, sur ce jeu-là, quoi. On fera des grands trajets, peut-être pas des grands trajets qui durent 3 heures, mais des grands trajets quand même. Bon, ça peut être pas mal. Après, comme je vous dis, j'ai pas de tête pour vous dire quand j'aurai la fibre. Ça peut être dans un mois, comme 2 mois, comme 3 mois. Je sais qu'on a eu le message en disant que la fibre arrivait dans notre ville. Mais bon, après, tant que ça se fasse, ça peut être long. Donc les villes sont assez mortes. Bah après, mortes, c'est la nuit. Hein. Il y a beaucoup plus de monde la journée. Hein. Dérapage. Par contre, je prends toute la route, c'est pas grave, tant pis. Hein. On se démerder. Ah merde, il est vert. On va plus y aller. Je dois arriver à quelle heure en fait? Je me rappelle pas, attendez. Je dois arriver à 23h35. 23h55, il est quelle heure? Ah bah il est déjà 23h55. Ah non, attends, 23h18. Oh, je suis pas en retard. Ça va? 23h19, c'est qu'il me reste 20 minutes pour y aller. Bon, je suis bon, je suis pas en retard, c'est bon. Bon, je vais un peu trop vite. Pas vu que j'allais un peu trop vite. Le régulateur quand même, parce qu'on va un peu trop vite. Ça va, j'ai largement le temps. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre les vraies dates. Moi j'ai mis la date. Là les 23h22. Bah en fait 23h22 dans le jeu. Et en fait bah, les 23h49 en vrai. Je suis pas à la vraie heure. C'est en fait quand vous jouez en manuel, bah vous devez configurer tout le temps la clim. Et la clim, c'est chiant parce que des fois vous avez passagé. Ah, il fait froid, vous pouvez mettre un peu de clim. Ah, j'ai chaud, vous pouvez mettre un peu de chauffage. Bah, c'est chiant. Donc, je préfère gérer en automatique, c'est le jeu qui gère tout. Moi, j'ai rien à faire comme ça. Encore une pompe à essence ici, elle est pompe à essence partout. Encore 10 km, on est bientôt arrivé. On va faire quand même un exemple pour voir combien de temps on mettrait. Bon, en vrai, mais au niveau heure, combien de temps ça dit. Niveau des temps de trajet, si je mets si je fais un grand trajet pour exemple, moi je vous dis, j'ai fait un trajet qui durait allez 4-5 heures et j'ai mis presque 1h30 pour faire le trajet, 1h30, et c'était juste Paris-Marseille, je crois que j'avais fait. Ou Rouen-Paris. Oh, je sais plus. Faut que je regarde ça à la map après quand j'aurai fini ce trajet.
chaud. C'était vraiment chaud, franchement. Ça a quand même des bons freins, les bus. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait, lui? Merde, qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Fred! Oh putain. Ça, ça l'a pas compté, ça. Ah non, parce que en fait, c'est le jeu qui a bugué. Pas le jeu, mais c'est le... Ah, c'est bon. Merde, il tourne avec ça maintenant. Voilà, c'est bon. Parce que j'ai appuyé longtemps sur le bouton et quand j'appuie sur le bouton, ça change la direction. C'est la manette, c'est la souris qui prend la direction après. C'est vraiment chaud. Comme ça, on va tracer le prochain trajet pour la prochaine vidéo. Bah, par contre, je vais pas tourner à gauche. Non, il y a le maillot qui arrive en plus. Merde, c'était là qu'il fallait tourner. Oh, c'est ici. Ouh, c'est ici qu'il faut aller. J'ai eu peur, j'ai failli louper mon arrêt. Incroyable, il est en arrive en avance. Ouais, nickel, merci. Hop, on est arrivé. On a fini le trajet, voilà, les gens sont contents, regardez. Hein. Ah, ils ont chaud. Super chaud. Vous voyez, franchement, le jeu, il est propre. Hein. Même ça rame pas du tout, je trouve. Hein. Ça lag pas du tout, le jeu, franchement. C'est des fois, j'ai une petite latence, ça m'arrive de temps en temps. On voit les panneaux aussi, là. Oh, on peut se mettre en vue externe, j'ai pas vu ça. Ah, on peut se mettre en vue externe. Je sais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, du coup, on va quitter ça. On va valider la mission, ok, bah se déconnecter pour valider la mission. Faut l'arriver à 23h55, je suis arrivé à 23h41. Donc j'ai 10 minutes d'avance, bah 15 minutes d'avance. Se déconnecter, il va me dire la note du coup. Donc j'ai passager transporté 22h22. Ticket vendu, c'est bon. Ticket invalide, ça c'est bon. Arrêté 3, ok, c'est bon. Contacter le central, bah ça je sais pas comment faut faire. Contacter le tronçage, j'ai pas trouvé. Ravitaillement, plus 5 points. Ne pas manquer de carburant, plus 5 points. Kilomètre parcouru, 52 km. Service, ok. Donc, arrivée ponctuelle, 3 sur 3. Départ ponctuel, 1 sur 2. Donc là, je vais partir en retard. Bonus d'horaire exact, ça c'est bon. Qualité du repos, bah, 0%. Passager manquant, 0,0. 100%, 100%, 100%. Annonce utilisée. Ah, j'aurais dû faire une deuxième annonce. Je l'ai pas faite, donc bah tant pis. Perdu des points. Code de la route, temps de conduite respecté, 100%. Temps de travail respecté, ok. Priorité endommagée, 0. Piéton, accident, 0. Contrôle radar, 0. Conduite, alors. Respect de vitesse limitée, 91%. Bon, c'est pas terrible. Donc, continuez, du coup. On va retourner au menu, je vais vous montrer ça vite fait. Ah. Donc, exemple, ça je vais le supprimer, du coup. On va faire la prochaine ligne, du coup. Prochain arrêt, on fera. Attendez. Donc, ça je vais le supprimer, j'ai déjà fait. C'est le DURF. Hop. Donc la prochaine ligne, on va faire nouveau. Donc la prochaine vidéo, ça sera... bon, on peut faire ça, prochaine vidéo. On peut faire SN. Voilà. On passe par... Lakinsken. 51 km. Ça fait trop lent si je fais ça. Et ça, 87. Vous voyez, c'est pas très loin. C'est à côté, on va dire, si je fais ce trajet-là. C'est quoi ce zoom truc? Hein? C'est quoi zoom? Hein? C'est quoi ça? Pourquoi il me dit zoom? Zoom truc? Enfin, c'est quoi ça? Supprimer. Retour. C'est quoi si je fais. Attendez, je fais nouveau. Attendez, c'était parce que c'est lui qui me suggère un arrêt, peut-être, non? Non? Ah oui, non, c'est normal. Non, c'est normal. C'est mon arrêt de bus. Donc je pense qu'on fera 87 km. Durée du voyage, 1h54. Ouais, bah, c'est pas très loin. C'est à côté, comme ça, j'aurais déverrouillé toute cette map-là. Bah, tout ce côté-là, quoi, de la map. Et là, on voit que c'est en travaux ici, en travaux là. Les travaux là, donc c'est un peu chaud. Donc, je vais faire ça, sauvegarder. Et exemple. Un petit exemple, admettons. Si je fais pas, je fais créer, nouveau. Admettons, je voulais vous montrer ça. Est-ce que c'est Paris-Marseille que j'avais fait ou pas?
Non, c'est pas Paris-Marseille. J'avais dû faire Rouen-Paris. Hein. Donc 320 km, c'est ça que j'avais dû faire. Et j'ai mis une heure en tout. Une heure et demie en vrai. Donc vous imaginez, là, c'est fait 300 km. Si, admettons, je fais Paris-Marseille, bah, j'en ai pour 700 bornes. Et 700 bornes, ça m'indique 8 heures de route. En fait, dans le jeu, en fait, le problème, c'est que si vous voulez pas partir de Limoges, vous ne pouvez pas. Regardez, la ville sélectionnée n'est pas encore disponible comme ville de départ. Vous devez d'abord voyager jusqu'à cette ville pour débloquer. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, moi je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye bye, portez-vous bien. Peace.